tous, ici Falcon Sky, bienvenue à cette nouvelle review. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi, donc review Lego, donc Lego Shima, donc le Rogue Flanger. Voilà, donc c'est un set 2014 je crois, mais début première vague, il me semble, 2014 ou 2013, je sais plus. Enfin bref, on va regarder ça, on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc voilà, bon, on se retrouve pour l'ouverture de... du Rogon Rock Flinger, donc véhicule mince rhinocéros, hein. Donc avec avec les figurines dedans, donc Rogon, Rimona et comment il s'appelle lui, Sparagon, voilà. Hop, derrière on voit les différents modes, donc il peut lancer apparemment une pierre, donc il a deux modes, donc un mode je pense c'est charge et un mode course. Enfin, je sais pas si ça sert pour faire de la course ou je sais pas, enfin je pense que c'est un mode course parce qu'on voit des traits qui font voir que c'est de la vitesse, mais ça se trouve ça n'a rien à voir, c'est peut-être une attaque, je sais pas, mais ça se trouve peut-être il roule tout le temps comme ça puis après il attaque comme ça, je sais pas. Donc apparemment on peut mettre une pierre dedans. Donc pas de petit décor pour les méchants. Donc il y a juste une figurine. Donc voilà. Bon, on va regarder ça tout de suite. On va l'ouvrir là. Donc, des autocollants, un livret, donc avec des applications, moi, je connais pas trop. Donc ça c'était les jouets qui étaient sortis en même temps je pense. Donc ouais, dans cette machine là il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, je n'aimais pas trop les bestioles. Mais c'est vrai que le rhino il me plaisait bien. Puis j'ai eu l'occasion de le trouver pas trop cher, donc je l'ai pris. Donc voilà. Donc le livret, ça fait ces étapes. Donc ça fait numéro 1, numéro 2. Hop, bon. Ça fait numéro 3. Et donc la quatrième roue. Voilà. Ah purée. Dans l'ouverture, dommage que c'est... J'aurais dû faire par le haut, enfin bon bref. Donc ben, sur ce, je passe au montage, donc en accéléré, puis ben, on se retrouve juste après pour mon avis. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, montage terminé. Donc
Je vais vous faire voir vite fait déjà pour commencer les comment ça fonctionne. Hop. Dézoomer un peu. Donc le premier mode c'est comme ça. Donc là, il y a deux trappes au-dessus là. Donc pour libérer le deuxième mode. Hop, comme ceci, donc un peu plus massif. Dedans, une petite pierre. On referme ça. Et donc pour tirer, on met la pierre ici. Hop, on arme. C'est sympa. Oh là là, je vais pas la paumer. Donc voilà, tout simplement. Hop, je remets en long. Là avec ses copains. Un petit zoom. Hop, voilà. Donc au niveau des pièces, il reste ça. Bon, à part le chi, normalement avec. Voilà ce qui reste. Donc au niveau du montage. Bah c'est assez simple, franchement agréable à monter celui-là. Donc je l'aurais vu un peu, je le croyais plus petit. C'est vrai que par rapport à la boîte je m'étais dit merde il va pas être très très grand. Et en fait non si il a une bonne taille. Je veux dire par rapport aux autres nickel. Donc après les figurines sont pas mal. Donc Sparagon est sympa. Bon même malgré que j'aime pas trop ce monde là avec les insectes. Il n'y avait qu'un véhicule qui me plaisait, mais bon, je sais pas si je le prendrais, parce que bon, ça me plaît moyennement, je préfère avec les nouveaux, avec les mammouths et tout ça, je trouve que ça va mieux. Les tigres à dents de sabre, tout ça, je préfère. Donc au niveau des rhinocéros, donc Rogon et Rhinona, franchement, ils sont très très jolis. Les armes sont pas mal, hein, c'est de grosses armes. Rogon, il a un gros canon. Pas mal. Le véhicule en lui-même il est juste génial, j'adore. Donc voilà, hein, par ça très très beau, efficace, bon petit montage. Donc j'ai payé 27€ à Maxitoy. Donc bah, c'était un set de début d'année ça, donc c'est pour ça que ça a baissé avec Noël je pense, mais sinon il a dû sortir à 34, je pense. Ça doit être un set à 34 ça, à sa sortie. Donc non mais pas mal, franchement un très très bon petit set. Voilà, sur ce merci de m'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner si vous l'êtes pas et de partager la vidéo. Et puis ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine review. Salut !